Alors salut tout le monde, alors je remonte au point de la vidéo, du coup c'est la vidéo de mon cours et je monte Rose, je vais vous mettre une petite photo. Là je cherche sur le tableau Rose et elle est numéro 6, du coup je prends la celle qui est sur le porte-celle numéro 6. Et là pareil, je cherche le portefeuille numéro 6 et je prends son filet. Alors une fois que j'ai été chercher la selle et le filet, je l'ai brossé, je n'ai pas de vidéo avant ni après. Je mets la selle et le filet, on est parti dans le manège. Là, je ressangle pour monter, je prends les rênes, je mets le pied dans l'étrier et 1, 2, 3, je monte sur Rose. Et là derrière, il y a Jeanne qui commence à se faufiler entre nous deux. Alors pour vous rappeler un peu, moi je monte Rose, Clotilde monte Vaiana et Jeanne monte une star. Là, on a marché un petit peu et après on a trotté en faisant des volts, des doublés et des transitions. Du coup là, je suis en train de faire une volte. Là, j'ai fait une transition du trot à l'arrêt. Je récompense car elle s'est bien arrêtée. Ensuite, on devait passer 3 barres au sol en équilibre. Je vais vous mettre plusieurs vidéos de mes passages de barres au sol. Et une fois qu'on avait fini, on a galopé en faisant un cercle. Et là, on voit que je viens m'arrêter au milieu car simplement, les rênes de Rose, ils savaient décrocher, du coup, bah, ils étaient séparés en deux. Mais je les ai raccrochés et après, on a commencé à faire l'exercice pour sauter. Et du coup, en premier, il fallait simplement passer une barre au sol au galop. Du coup, rien de difficile, mais c'est pour échauffer les chevaux. Et là, j'ai refait. Et je trouve que c'était mieux, car à la fin, il fallait rester tout droit. Car après, pour, vous allez voir, pour le parcours, c'est important. Là, je commence le parcours. Du coup, c'est un parcours de deux obstacles pour commencer. Là, je vais tout droit. Et c'est pour ça qu'il fallait bien rester tout droit à la fin. Car après, on tourne en B ou en M, je sais plus, pour arriver tout droit sur cet obstacle. Du coup là, Aïe, Delphine, ma coach, a mis le troisième obstacle pour faire le parcours complet. Du coup là, hop, le premier obstacle de passer. Je passe le deuxième aussi. Et là, il fallait bien garder la jambe car sinon le poney il allait s'arrêter. Et là, on va arriver sur le dernier obstacle. Et franchement, c'est mon saut que j'ai préféré. C'était magique, vraiment. Et pour terminer la séance, on a fait un peu de trot assis. Et là, je vais vous mettre des petites photos de moi et Rose qui sautent. Une fois la séance finie, ma coach leur a donné un petit sucre car elles avaient bien travaillé. Et là, je vous mets des photos de moi et Rose quand on était sortis. Je l'ai décellée et j'ai été la faire brouter car franchement, elle a bien travaillé. Et là, pareil, je vous mets des photos de moi et Rose en train de la faire brouter. Et je l'ai rebrossée et j'ai été la remettre dans son box. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde !